Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en course des nations sur le Kyoto avec la Toyota SFR15, je sais pas quoi, en N100. Donc en qualification, ça s'est super bien passé. J'ai fait le 6ème temps en 51 secondes, 75 dixièmes. C'est très 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 serré. Pardon, excusez-moi. Tous les pilotes se tiennent. Franchement, les temps sont à peu près identiques. Vous avez vu le premier, il a signé en 50-819. Donc franchement, c'est pas très très loin de moi. Le deuxième, 50-900. Donc franchement, c'est très 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 serré. On ressent réellement, pour l'instant, moi en tout cas, pour l'instant, je ressens réellement que Polyphony Digital a vraiment retravaillé ce point, qu'on retombe vraiment sur des pilotes de notre niveau, parce que par moment sur certaines courses on retombait sur des pilotes qui étaient largement au-dessus de nous, mais là on retombe vraiment sur des pilotes, je sais pas comment ils font pour calculer tout ça, mais on retombe vraiment sur des pilotes qui font à peu près les mêmes temps. Pardon. Donc voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas pourquoi j'ai confiance sur cette course, les Espagnols s'écartaient durant les qualifs, donc voilà. Est-ce qu'ils ont amélioré le niveau de fair play aussi? Est-ce que maintenant on tombe même en rang S avec des gens qui sont du même fair play que nous, à voir dans le futur? Mais pour l'instant, je suis confiant. L'objectif du jour, c'est clairement un top 5 parce que j'ai la capacité pour. Ouais, c'est très serré. Hein. Je fais 51-0,75. Le 15e, il fait 51-579. Donc. Ça se tient à très peu, quoi, quand même. 560e, c'est rien dans une course. C'est un cheveu, même pas. Donc, on va voir. On va voir le premier virage. Allez, c'est parti, les amis, pour 15 tours. Il n'y a pas de français. Il y avait un français, mais il a quitté. Je sais pas pourquoi. Allez, on met le son à fond dans les oreilles pour être en immersion. C'est bon, tout enregistre comme il faut. Nickel. Allez, l'italien Cabel Magna devant moi et l'espagnol derrière moi. C'est parti. Derrière, juste derrière moi. L'espagnol smoke. Voilà, tu vois, ça commence déjà. Il me fait peur le smoke derrière l'espagnol. Ça, on voit qu'il était constamment à mon cul. Voilà, il glisse, il a fait la même erreur que moi. Allez. Bien joué de sa part, il m'a vraiment pris de l'intérieur. J'ai essayé de résister, mais j'ai pas pu, mais franchement, c'est bien joué de sa part. Je vais pas dire le contraire. Un autre espagnol derrière moi. Allez,
C'est très serré hein, pour le moment, je vous l'avais dit. L'Italien qui referme la porte. J'ai cru que l'espagnol derrière allait essayer de me faire l'extérieur, mais. Ouh, il m'a donné chaud sur ce coup-là. À mon avis, je le prends mal parce que je le prends pas comme tout le monde le virage. Bah bon. Le premier, il est tranquille. Hein. Ah, Turok, déjà durant les qualifs, il était très rapide. Ouais, l'erreur de l'Italien, du coup, on en profite. Et on est rentré dans le top 5. Ah, j'ai protégé l'intérieur. Il est à côté de moi, l'Italien. Putain, je vais essayer de passer proprement et être à deux, non. Du coup, j'ai perdu gros, allez, 9e. Oh, putain. L'autre qui me touche, là, derrière. Quand un espagnol. Ah, j'ai perdu gros, hein. On a 8 tours. Après, c'est peut-être moi aussi. Hein. Franchement, j'aurais peut-être pas dû résister, quoi. Top 5, il est pas loin. Hein.
Désolé si je parle pas beaucoup, mais je me concentre un peu. Voilà, putain, il m'a poussé. Franchement, il m'a poussé l'espagnol, mais bon, c'est pas de sa faute. J'étais en perdition avec la voiture, j'ai failli la perdre. Bah, lui, il a fait au mieux qu'il a pu pour m'éviter, et franchement, va bien, parce qu'il n'a pas forcé. C'est bien joué de sa part, je trouve. Du coup, on a perdu du temps sur ceux de devant parce qu'on les rattrapait en plus. Allez. L'italien et l'espagnol devant, ils se tirent la bourre depuis tout à l'heure. Franchement, c'est une belle bataille qu'ils nous offrent, les deux devant là. Ça va se toucher à force, voilà, tu vois. Du coup, on les rattrape. Allez, il me fait l'intérieur, l'espagnol. Voilà. Je me retrouve dixième. Ouais, tout à l'heure, j'étais comme l'espagnol. Au mieux de faire ce qu'il a fait, ce que j'ai fait moi par rapport à l'espagnol, non, l'autre il a vraiment tourné comme si j'étais pas là. Regardez, on était deux dans le virage. Tout s'est bien passé. Nickel. Et l'espagnol Jalvarez a l'air très correct. Bon, allez, on va entamer. Oh merde! Et merde! Là, je sais pas qui est-ce qui est en tort, moi ou l'espagnol, mais j'étais bien
je l'avais bien passé. Sur le radar, on le voyait très clairement. L'Espagnol a voulu résister, bah voilà. Et moi, je suis parti au tas et lui, il a continué. Voilà, je suis dégoûté, hein. Sincèrement. Résultat de merde. Putain, je méritais largement mieux, quoi. Ah, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté, quoi. Sur les courses avec les voitures imposées comme ça de série, c'est une saloperie parce que... Ah bah, je suis 12e. Bon, bah, l'autre, il a une pénalité, à mon avis. C'est vraiment une saloperie. Ouais, Alvarez finit 8e. Je suis dégoûté. C'est vraiment une saloperie, les voitures imposées comme ça, parce que les voitures... Bah quand ils sont pas puissants, tout le monde s'est serré, on est serré l'un contre l'autre. Et t'en as, ils arrivent pas à... Comment dire? Ils font vraiment pas attention parce qu'elle glisse beaucoup. Comme on a vu au voir l'Espagnol qui a glissé un peu. Donc c'est pour ça que je lui ai pris l'intérieur à l'épingle. Et du coup, il s'est retrouvé un peu derrière moi. Mais lui, au lieu de faire comme j'ai fait, il levait un peu le pied. Non, il a forcé un peu le passage. Et franchement, bah voilà, j'ai tout perdu dans cette course.